ce terme de personnes en déplacement, on a voulu montrer que ça concerne au fond tous les individus, quels qu'ils soient. On a bien sûr des migrants, des demandeurs d'asile, mais aussi des personnes qui, à l'heure actuelle, n'ont plus de patrie, sont ce qu'on appelle des apatrides, qui ont perdu leur nationalité. Et puis ça concerne également les personnes qui sont, et c'est sans doute le plus grand nombre, des déplacés internes. En anglais, c'est d'abord parce que j'ai rencontré beaucoup de défenseurs des personnes qui sont en mouvement. Récemment, donc en Hongrie, où j'étais à la frontière avec la Serbie, confronté à l'entrée massive de migrants en Europe qui tentaient de franchir les barrières, et à une violence extrême à l'encontre des migrants, mais aussi à l'encontre de ceux qui essayaient de protéger ou de promouvoir les droits des défenseurs, les droits des migrants. Et encore plus récemment, et c'est un rapport qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme en Australie, pardon. Et ce qui m'a frappé notamment en Australie, c'est le fait que non seulement les migrants sont l'objet de violences extrêmes, mais également ceux qui sont les défenseurs des migrants. Ce qui m'a frappé, c'est la violence également judiciaire, puisqu'en fait, ces défenseurs sont criminalisés. Ils sont à l'heure actuelle menacés d'une peine de 2 ans de prison s'ils venaient à révéler ce qui se passe au fond dans les camps, de telle sorte qu'une chape de plomb pèse sur les camps de réfugiés et de déplacés en Australie. Et l'idée, c'est que ce rapport leur serve également d'outils pour faire du plaidoyer, qu'ils puissent reprendre certaines des recommandations en s'adressant ensuite à la communauté internationale, à leur propre État ou bien aux Nations Unies pour leur dire « voilà ce que sont les recommandations du rapporteur spécial des Nations Unies ». Ce n'est pas nous qui demandons ceci, c'est le rapporteur spécial qui vous le demande et nous faisons le relais, le porte-parole du rapporteur.